Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone. Haute de la grâce qui Dieu nous ouvre pour ce peuple, pour nous capables d'aller au livre et de nous l'équerre. Et ce matin, monsieur, certains, nous dans la joie, nous remplis de la présence de Dieu. Attendez ce matin. Amen. Et comme croire sur louant l'adoration au monde vertueux. Lève la main. Puisque nous croyons, nous tournons, acclame le Seigneur. Pour sa louant l'adoration. Mais pourquoi pas qu'il y ait Dieu. Alléluia. Voilà Dieu. Le beau parfum. Le plus beau parfum qu'un carré poisson. Qui est un agneau grillé. Et ce matin, nous tournons à la parole de Dieu sans nous tarder. Et nous venons dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3. Nous allons faire l'enseignement et la prédication. L'enseignement, c'est vendredi. Alléluia. Je le lis de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 11. Amen. On commence avec Dieu. Amen. Et là, beaucoup de temps encore avant mon venir. Non. Ça a mis l'écrire? Non. Ça a mis l'écrire? Non. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Reste ferme. Je peux venir bientôt. Reste ferme. Et ce qui te n'a pas laisse personne pas, prends ta couronne. Laisse-nous couper la tête, nous bénis Dieu pour ta parole. Seigneur, Père très saint, dans le nom de Jésus, nous bénis toi pour ton sein, et que Dieu est la parole de Dieu. Nous bénis toi, Seigneur Dieu, pour ta parole, qui toi-même, Seigneur Dieu, te peux éclaircir ton peuple, ton église. Seigneur, pour lui, tu vas l'interdiction, pardon, vraiment, distraction au milieu de ta parole, pour lui, on chasse sa puissance là, et on réclame le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, sa parole là, par retour vers toi, tant qu'il n'est pas pour faire sur l'effet, Seigneur, dans la vie de ton peuple. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons écouter très attentivement. Évite ma distraction, même ma jeune, ma enfant, évite distraction. Que la parole de Dieu n'est pas faire seulement pour un ancien, pas de faire seulement pour un adulte, mais la parole de Dieu peut faire pour tout le monde. Petit, petit, nouveau, ancien, jeune, vieux, la parole de Dieu est pour tout ça. Amen. Et ça, sa parole là même qui pour faire nous un jour rentre dans le royaume de Dieu. Pas d'autre? Au nom qui l'écoutait très attentivement ce matin. Ce matin, le thème de nos messages, c'est supporter le difficulté. Amen. Tout à l'heure, comme si le frère peut prophétiser de ce message à plusieurs reprises. Les difficultés, difficiles, difficultés. Donc, supporter le difficulté. Et ça même, quand nous parlons de difficulté, ça même qui fait beaucoup de chrétiens tomber dans son âge. Pas capable. Pas capable de tenir, pas capable de subir, pas capable de supporter les difficultés de la vie. Et fur et à mesure, nous pouvons guetter sa difficulté, supporter les difficultés, nous pouvons trouver plus tard que c'est ça même qui appelle l'épreuve spirituelle. Tu comprends ce matin? Oui. Et nous pouvons noter, nous pouvons beaucoup verser, nous pouvons bien vite, et dans beaucoup versets, nous pouvons citer, ça même qui appelle l'épreuve spirituelle, ça. Et nous pouvons trouver, dans cette difficulté qui nous passait, qui est un enfant bon Dieu lui passait, cette difficulté-là, à la fin, lui vient une bénédiction pour nous la vie. Amen. Amen. Lui vient une bénédiction. Lui vient une bénédiction pour nous la vie. Parce que la difficulté la même nous parle expérimente la grandeur, la présence, l'amour
de sa Jésus qui nous peut servir là de tous nos cœurs. Quelquefois, Dieu lui permet qu'on passe dans une difficulté. Permet. Parce qu'il y a une difficulté, il y en a qui sont pour montrer nous. Dans la difficulté, il va nous lire pour faire nous trouver qui sont, qui jamais nous trouver. Dans la difficulté, il fait nous goûter une bénédiction. Peut-être quand nous voir que tu as pu venir nous, nous ne pouvons pas goûter cette bénédiction-là. Mais quand nous passons dans la difficulté, cette bénédiction-là, Dieu lui ouvre à la porte-là. Dieu lui ouvre à la porte-là. Supporter les difficultés. Amen. Et nous pouvons guetter comment d'autres personnes qui passent par une grande difficulté, comment on a le goût, la grâce, la bénédiction de Dieu. Comment qu'ils sont peut-être jamais pas t'y penser, pas t'y atteindre cela, pour passer dans votre vie, pour arriver dans votre vie, je pour faire cette expérience-là, peut-être pas t'y penser pour de sa grandeur-là. Plus difficulté là, plus grand. Plus ou bénédiction, plus grand. Amen. Pas d'un ce matin. Amen. Plus difficulté là, plus grand. Plus sa bénédiction là, plus grand. Amen. Plus sa vague là, sa tempête là, plus grand. Plus à la grâce, mon Dieu là, est plus grand dans ton âme. Amen. J'aime Dieu pour dire ma grâce, Jésus. Amen. Oh, donc, nous finissons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 11, de dire « Je viens bientôt. » Jésus peut retourner bientôt. Et lui dire « Tiens, ferme !» Qui lui dit « Tiens ?»« Ferme. » Ferme, papa. Ferme par quand tout commence bien, sans enfant capable de se faire. Mais ferme dans le temps difficile. Amen. Ferme dans ton difficulté. Ferme dans ton vraiment dans ton épreuve. Ferme dans ton tourbillon dans qui te rentre au milieu. Un tourbillon. Tenez ferme. Parce qu'il est dans la tête, Dieu fait des infinies pauses. Elles qui sont précieuses. Il déclare-toi comme son enfant. Il déclare-toi comme son prince, comme son princesse. Cinq enfants de Dieu, il y a une couronne que Dieu finit de donner à sa disposition. N'a pas perdu sa couronne là. Et qui couronne ça? C'est le couronne de ton bataille ça. C'est le couronne de ton bataille que Dieu, il déjà finit garde sa couronne là pour toi. Il dit à toi, dernière ferme, que personne n'a pas pris ton couronne. Le couronne de ton lance. Alléluia. Le couronne de ton sacrifice. Le couronne de ton bouleversement. Ça. Le couronne que vraiment te perdit de la paix, de la joie, que te perdit. Mais malgré tout cela, te tenir ferme dans la tempête. Amen. C'est vrai que le chant qui a été chanté. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. Qui vous venez? La paix viendra. Et lève donc la tête. Regarde qui s'en a. Ne crains pas la tempête. Oh donc, le thème de ce message ce matin, supporter le difficulté. Parfois, nous posons question, nous répondons nous-mêmes, nous disons frère, depuis mon converti, depuis mon rentre dans la prière, pas de problème, je peux gagner, pas de difficulté, je peux gagner. Frère, on ne connaît qui quand est qui sort, mon fils perdu, depuis qu'il m'a fait rentrer dans la prière. Mais on connaît qui chose il réservait pour après. Parfois, nous peut dire, frère, mon perdu la terre, mon perdu la carte, mon perdu du bien, mon perdu richesse.
l'Apocalypse. Ouvre le livre. Prends note. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 5, nous parlons vite vite. Il dit, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je ne retracerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au vainqueur, il dit, il peut vous donner un vêtement blanc. Un vêtement blanc. Apocalypse chapitre 21, le verset 7. N'inquiète pas un héritage qui est gardé pour nous après nous rendre un message. Ça, c'est juste l'introduction. Apocalypse 21. Vous connaissez qui mon petit frère? Mais moi, ce matin, je vous dis, vous connaissez qui vous pouvez gagner cher? Un robe blanche qui est gardé pour nous. Amen. Les plus blanches qui sa robe la mariée là. Ah, mais quoi? Je vous ai mis ça là-haut, là, j'ai frère, j'ai là. Tu viens dire. Les plus jolis, les plus blancs qui sa robe la mariée là. Robe la mariée qui est là. Et là-haut, dans la noce, Dieu garde une robe blanche. Que vous perdiez, frère. Moi, mon Dieu, vous connaissez que vous pouvez gagner, certes. Vous pouvez gagner, frère. Amen. Vous connaissez. Les temps-là, pas loin. Parce qu'il dit, je viens bien. Bientôt. Apocalypse 21, le verset 7. Prends le verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Mais verset 7, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous connaissez ça? Quand on rentre là-haut, Dieu lui peut déclarer maintenant dans sa légère de gloire là. Sous enfants. Le latin, par exemple, dit, hé, ton enfant, bon Dieu, toi. Ouais, mon Dieu, pas Nadia. Faut pas fier au même. Parfois, il y a parfois dans le travail, dit, hé, quel enfant, bon Dieu, peut venir. Peut dire ce qui est bon ou ça, local. Je vais prendre plaisir à moi. Mais non! Amen. Dieu peut faire lui confesser la vérité, vraiment, quel enfant, bon Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare toi le seul de là. De même la lumière du monde là, ça papa au milieu ça des mondes là. Amen. Quand on a dit et guette chose peut venir et ça fait bon Dieu peut venir. Dis amen. Parce qu'il y a vérité. Oh donc c'est ça nous l'héritage. Nous l'héritage est gardé et plus bel l'héritage est gardé dans le ciel pour nous. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Et donc, maintenant, quand nous prenons ça qui sort là, nous venons de ça maintenant, quand nous comparons avec ce qui nous peut passer ici-bas dans la terre, difficulté de la vie, le bouleversement de la vie, oui, la chair, ça, les gars, dit mal, les blessants, oui, les gars, l'a saigné, oui, l'homme l'a coulé, mais seulement, me connaît. Pour récompense les grands dans le ciel. Amen. Ça qui chrétien, ils aiment mettre dans la tête quand ils passent dans ton père. Amen. Gagne ton récompense. Gagne ce qui garde pour toi. Gagne qui t'attend toi là-haut. Et gagne sa bonne merveille qui pourra un jour, tu vas te diriger là chaque été. Mais là, tu peux dire, toi, problème, tu ne vas pas faire ma paix. Et donc, quand nous pouvons maintenant supporter les difficultés, nous pouvons guetter comment chaque difficulté qui est nous traversée dans nous la vie, et nous pouvons trouver ce matin. Chaque difficulté qui nous traverse dans nous la vie, cette difficulté-là, à la fin, est une bénédiction. Amen. Une bénédiction. Nous trouvons-nous bénéficier
pas de chose spirituelle dans cette difficulté-là. On peut expliquer cela. Quand nous guettons la vie de Job, Job, Dieu lui déclarait noir sur blanc. Écoute bien l'église ce matin. Qui c'est là qui passe par difficulté de la terre? Qui c'est là? Qui c'est là? Tout! Tout! Pour tout nous peut prêcher, peut chanter, ça c'est là, peut faire chanter, cela peut chanter, peut presser, peut faire l'enseignement. Qui où tu crois? Nous boisons dans l'eau. Hein? Goldfish? Vous avez un nom de goldfish? Goldfish? La faille affiche. Tout jiffé pour nous-mêmes. Amen. Plus belle jiffé pour nous. Et qui m'a décrié, il m'a montré encore plus clair. Nous petit bout de jiffé. Chaque minute, nous la vie en danger. Comment vous avez une famille? Où est-ce la case? Où est-ce les enfants? Où est-ce le travail? Où est-ce la santé? Nous si nous pareil. Mais le diable se regarde 99.9% libraque le nous, ben homme de Dieu, ben serviteur de Dieu. Nous enfants exposés. Nous la vie exposée. Nous foyer exposé. Nous la santé exposée. Le diable est capable de tout, qui est capable de dire, qui est capable de gagner pour finir sa serviteur, sa langue de Dieu là? Qui est capable de faire pour détruire lui? Il est capable de penser comme ça. Mais c'est seulement bon Dieu qui nous servit, pas pour permettre lui, c'est nous en bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas pour permettre lui. Ne exposez. Écoutez très bien attentivement ce matin. Quand nous guettons la vie des gens, Job, Dieu lui-même, Dieu, l'éternel Dieu, lui-même lui déclare. Le diable, Satan, le diable, quand tu es sorti, Satan, le diable, ne pouvait pas courir à la terre. Mais Dieu, il peut voyager. Appeler l'esprit de voyager. Dans le thème encore, appeler le principauté de ce monde. Dans le thème encore, appeler le prince de ténèbres. Il ne peut pas courir. Dieu délivre Satan par hasard. Pendant qu'il ne peut pas courir à la terre, par hasard. Demain, trouve au serviteur Job, juste, intègre, fidèle. Demain, trouve Satan. Satan dit, oui, on trouve lui. Mais seulement, à cause qu'il te l'amène au lit, qu'il te peut cause, chacun te causer, te peut dire sa qualité là. Tiens, te l'amène au lit, te guetter si pas les plus juste, intègre et fidèle. Et pour faire comprendre ce matin, en tant que vos enfants, mon Dieu, en tant qu'il naît de nouveau, pour les fois vous comprenez ce matin, vous êtes d'accord, ce qu'il fait dire. Parlez de tout rentre dans le cœur. En tant qu'il nous a fait bon Dieu, vous naîtes de nouveau, vous nous donnez bon Dieu première place. Mille sur mille, l'armée bon Dieu est là ou là. Amen. Mille sur mille. Mes frères, même mille sur mille, mais qui fait mon pas de problème, de difficulté, t'as la problème. Tiens, tu la mets au guetté, si ça même serviteur n'est pas pour maudit toi. Dieu nous joue. Dieu est livré. Il est livré, Job. Mais vous dites même, c'est frère. Mais quelle qualité pour Dieu ça? Il n'est pas protéger ses enfants. Non, il est protégé. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour passer après là. Pour mettre Job à l'épreuve. Pour mettre Job à l'épreuve. Tout cela, première chose qu'il fait, le diable connaît, tout cela, mais seulement, tu n'as pas tout sur la vie. Parce qu'il fait pas tout sur la vie, parce que le diable n'a pas, pas tout sur la vie. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, Dieu qui prend la vie. Amen. Ça, numéro un, pour avoir mon Dieu. Amen.
Frère, vous connaissez, ça malade mon gars là, pourquoi vous pouvez vous? Tiens, attends, vous pouvez vous? Toi, tu peux vous? Parce qu'il faut que Dieu appelle toi pour toi aller. Amen. Tu veux qu'on te peut aller? Mais quand vous venez, tu connais? Parce que vous connaissez, nous ne pouvons pas croire le bon Dieu, c'est même nous cause comme ça. La vie, l'amour doit se lamer, ça doit se lamer, ça. Si demain quelqu'un est malade, vous prenez comme ça peut-être un quelqu'un est converti, peut-être un quelqu'un qui est rétrogradé est malade. Frère, priez pour lui, priez pour lui. Demain il arrive soleil, Dieu prend lui. Aïe, une prière n'aurait pas arrivé. Non, vous faites? Parce que quand il tombe dans un hôpital, dans une clinique, il tombe malade, quand on peut le visiter, on peut le causer en lui, quelque chose vous fait lui faire. Vous pouvez les repentir et retourner vers son bon Dieu, même le solide de l'hôpital. Amen. Même le solide de l'hôpital. Amen. Le corps-là est capable d'aller retourner la poussière. Dieu est capable de répondre à la vie-là. Mais quelque chose que vous connaissez dans sa souffrance, dans sa maladie-là, là-dedans, il reconnaît son bon Dieu et il donne bon Dieu solide. Amen. Quand toi maintenant tu persévérer jusqu'à la fin, quand toi là-haut, il y a une sœur ou il y a un frère, ah! Une ville avant qui moi? Toi tu veux combattre même les filles avant qui toi, donc vite dans les dernières minutes, tu es rentré. Amen, amen. Oh donc, Job, quand vraiment Dieu dit maintenant, ok, mon livre de la main, mais tu pas tout sur la vie. Qui qualité difficulté que Job va passer dans ce monde? On écoute bien ce matin. Supporter les difficultés, le thème de naissance. Qui qualité difficulté? Payer 10 enfants? Payer 10 aux richesses? Payer 10 tous au troupeau? Perdit tout mon camarade, il venait qui était infréquentable, il frappait par une maladie de la peau, une chair de la peau. Quand Job au commencement, peut-être qu'il avait assise une place qui, qu'on ne peut pas dire de valeur parce qu'il possède beaucoup de richesses. Mais Job, il avait un moment où il était assis dans la terre, assis dans la salle. Assis dans la salle de Dieu, il vient la poussière dernier degré dans son avis. Jusqu'à qui même son madame, son la moitié, pas capable d'être la difficulté qui sur la moitié peut passer. Pas capable d'aider. Madame la même, pas capable de participer dans son souffrance. Et je. Comme étant pour bon Dieu, comme étant pour louer ton bon Dieu encore, vite ton état. Et je, maudit ton bon Dieu pour ton bon Dieu. C'est le moyen qui restait, c'est le dernier ciment qui t'est resté. Écoutez bien ce matin. C'est le dernier ciment qui restait. Maudit bon Dieu, ton bon pendant le ciment. Finalement, mon papa est capable d'être dans sa difficulté de passer. Mais je me réponds. Dans cette difficulté, il répond. Bon Dieu, il me donnait. Bon Dieu, il reprend. Que le nom de mon bon Dieu est glorifié. Amen. Amen. Ça appelle la difficulté. Mais cette difficulté-là, il vient une grande bénédiction pour vous. La Bible qui dit après. Dieu, il donne tout ce qu'il lui fait perdre. Des fois, trois fois plus, il donne. Il fait rien à mes enfants, mes jolis enfants, rien et tout pareil. Plus joli, encore plus bien. Et à la fin de ça, on comprend que ce job-là n'en est pas pour capable de le faire dans la marche de la chrétienté, l'eau sur la terre. Amen. Vous prenez comme ça pour le comprendre. Non, il n'est pas fait. Comme si tu montrais le diable, moi décrire pour comprendre. Comme si Dieu dit le diable, moi j'ai la force qui te n'a qui quantité, tu es capable de détruire vos enfants. Allez, moi toi. Mais le diable, il fait tout ce qu'il est capable
malgré les faire tout. Mais Jean, il tenait ferme avec son Dieu. Amen. Parce qu'il y connaît qui ce bon Dieu était. Amen. Il y connaît à part ce bon Dieu, personne ne peut dire lui. Et donc, c'est pour cela qu'à nous guetter, Jean, après comment les fenêtres bénies, abondamment, et quand nous guettons dans le livre de Daniel, Daniel 3, 18, quand les trois amis de Daniel, c'est pas quelqu'un qui connaît la vérité, pas quelqu'un qui connaît Dieu, mais un jour, quand le roi fait un décret et la loi, que tout le monde nous a vu une prosterne devant ce bon Dieu, un idole, ce droit-là fut trop haut dans la difficulté. C'est pas prosterné. S'il refuse prosterné, pour pourquoi vous êtes toi dans le funeste ordre qui vous sauve sept fois plus que tu es là auparavant. Je vous ai entre la vie et la mort. Mais seulement je veux dire au roi dans la difficulté de dire. Eh les rois, vous prenez comme ça, puis un membre au chef. Si tu ne pas prosterne devant sa idole là, pour le titre de Paul Lola et le mort de la bête, vous allez prosterner un jour. Mais il ne finit pas se penser. Parce qu'il y a des morts de la bête, mais tu n'as pas de prosterne devant un idole. Mais les trois amis de Daniel, ben là, vu qu'ils ont connu la vérité, c'est une difficulté extraordinaire. Je ne suis pas capable de fuir devant la difficulté. Pas capable de sauver devant la difficulté. Là, vous êtes passé là-dedans. Pour sauver contre pour aller. Contre pour aller. Allons en montagne. Glissement terrain. Contre pour aller. Pourquoi les fois vous avez une place pour la mer, tranquille, moi 6 mois, d'aurez pour la mer, tsunami. Quand tu vois, tu es obligé de passer dans le coupon là. Tu es obligé de faire face. Tous tes camarades, tu es obligé de faire face. Tu dois faire face aux difficultés. Parce qu'ils savent qu'il y a une différence ça. Dieu dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert, celui qui ne me sert pas. Celui qui n'a peine à mon Dieu, peine à solution, peine à ses maisons, peine à remède. Mais nous, enfants, mon Dieu, nous sommes capables de faire face. Et les trois amis de Daniel disent, oh roi, guettez. Vous pouvez le contexte pour le comprendre. Guettez le roi. Si n'a plus été moi dans la fournaise ardente, si n'a plus été aux étés. Si n'a plus touillé de touiller. Mais le roi, quelque chose me connaît. C'est bon Dieu qui m'a fait servir là. C'est ça même bon Dieu pour me délivrer moi de la fournaise ardente et aussi de la main au roi. Ça bon Dieu là pour me tirer moi. Tu crées une difficulté devant moi, je vais sortir de la difficulté. Pour sauver quand tu peux aller. Ou puis c'est, j'ai beaucoup de difficultés, faire face aux difficultés. À cause de ça qu'appelle nous enfants, mon Dieu. Moi, petit, appelle nous chrétiens. Et le chrétien est chrétien. Chrétien est chrétien, hein, ça me dit. Ok? Donc, cause de ça qu'appelle nous enfants, mon Dieu. Quand il y a aux enfants, mon Dieu, il veut dire, il y a quelqu'un qui veut dire beaucoup. Elle est quelqu'un pour devant nous. Elle est quelqu'un qui vous cause pour le dire à Moïse. N'a pas que toi ce qui est là pour dire, n'a couvert la bouche, moi qui vous causez. Vous mettez la parole. Amen. Elle est quelqu'un qui pour. Et pas un homme. Pas un homme. Pas où un quelqu'un qui gros le monde. Non. Où est un Dieu tout puissant qui avait. Amen. Et puisque maintenant Dieu sait qu'il n'a pas arrivé, elle va arriver ce qu'elle va faire faire. Mais je connais ça, Dieu qui m'a fait servir là, lui-même pour venir moi dans la difficulté. Allez, sauf ça, 7 fois plus qu'auparavant. Ça bourreau qui n'allait pas, il y a une brûlée de mots.
Almazé kate jife sa jife. C'est quoi difficulté? Ça qu'appelle difficulté. C'est la vie de Job là qu'appelle difficulté. Ça qu'appelle la faya. Mais jive, jife, je pense qu'il est. Divan difficulté, je pense qu'il est. Je pense rayer ce bon Dieu. Je dis que malheureux pour dire. Heureusement, ici, Pénin, gloire à Dieu. Je dis que quand tu es en église, chrétien, comment il passe un petit problème. Arrive une église. Ah, qui fait ou pas venir? Ah, je connais, frère. Il y a un petit problème. Un petit problème, tu l'as dit bien grand bon Dieu, mais tu ne parles là. Comprends qui peut dire un petit problème, tu l'as gagné. Tu acceptes bien qui sa récompense qui est gardée pour toi dans le livre d'Apocalypse, c'est qu'il nous fait nommer là. Tu acceptes bien qui sa grand bénédiction là. Tu acceptes qu'il te nourrit passé dans le livre de vie. T'as accepté qu'on nous dit à déshériter toi dans le royaume de Dieu à cause d'un petit problème? Mais qui te n'en parle? Qui te donne? Qui te dit me suivre? Il faut réfléchir sur toi. Oh donc, quand vous êtes les trois amis de Daniel dans la fournaise, oh non, me prenez comme ça pour nous comprendre, car il a bien chauffé. Il y a plein de difficultés là. Qui pour faire? Obéir à cet homme là, obéir à mon Dieu. Pour arriver, ça va être un moment bien pire dans la vie là pour finir ça. Bon, les gens, tu ne pas l'oreille, ils touchent beaucoup l'eau là. Tout ce qui pourrait faire la mort de la mère, c'est qu'il restait. Comme ça, même pour aller là. Vous passez un mauvais, tu fais ça. Du coup, pour lapider, pour sauter ça, pour filer quelque chose, ça. Pour ça, pour samouraï. Pour une ça. Pas film, ça. Mais les trois amis de Daniel, ils ont refusé pour le prosterner devant Dieu. Amen. Ils ont besoin de fournir ça. Mais nous, ça commence à venir une bénédiction. Peut-être jamais je ne participerai à l'occasion de faire ça. J'ai un petit monde à l'immédiat, pose un carré et quand finir, rentre un carré là. Sans mettre des rues, je suis. Il veut prier. Mais pourtant, les trois amis de Daniel, ils rentraient. Ils rentraient. Quel comment dans le goût de bénédiction, mon Dieu. Quel comment le trouve la gloire, mon Dieu, manifestée pour ses enfants. D'un Jivé. Zedzot. Le roi, la Bible dit, le roi l'avait précipitamment. Le Dieu nous baptisait trois dimons dans cette jifée-là. Le Dieu m'a trouvé un quatrième dans cette jifée-là. C'est tout. Et lui déclarait, quatrième-là, il ressemblait comme le fils du Dieu Tout-Puissant. Amen. Dans difficulté, c'est net tout seul. Qui s'en est Dieu, trois enfants, bon Dieu, moi, peut-être chrétien. Trois enfants, bon Dieu, qui s'en a qui dit tout seul, qui s'en a. Qui s'en parle là, qui court dans tes oreilles, qui dit tout seul. La difficulté, qui s'en a qui dit. Mais c'est dans la difficulté qui t'a besoin à chercher la main, bon Dieu, pour tiens-toi dans sa difficulté là. Amen. Tu vis à chercher. Et nous, pas dire nous connaissons, frère, vous n'avez pas de petites difficultés pour nous décourager. Non. Mais si tu es découragé, tu n'es pas capable de goûter la main de mon Dieu. Si tu es découragé dans la difficulté, tu allais combattre pour trouver la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Et les rois même de l'autre, cette fois-ci, tu es autre. Quatrième là, c'est Dieu qui a besoin. Amen. La Bible parle nous aussi dans le livre des Actes des Apôtres, nous dit prend note. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7. La Bible parle nous de Pierre.
Pierre, la Bible parle-nous de Pierre. Le chapitre 12, nous apprenons note le verset 7. Quand ils étaient Pierre de prison, écoute bien, Pierre s'était baptisé, ils étaient de prison. Et là, il y a été batté, quand nous avons acte des apôtres, le chapitre 16, verset 25, Paul et Silas, ils ont été batté, ils étaient de prison. Mais la Bible qui vient dans l'acte des apôtres, le chapitre 12, verset 7, extraordinaire ça. Verset 6, il dit, Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là, Pierre, lié de chaînes, de la scène et de liaison, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Regarde le verset 7, la difficulté. Supporter la difficulté. Regarde la difficulté que Dieu fait pour tes enfants. Verset 7. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre. Bien que tu veux faire la prison. Oui. Quoi? Dormi. Hein? Dormi. Pierre. Et dormi. Tu peux dormir? Il bat lui, il met lui en prisonné, la tasse de la scène, il met lui en dégardien, il peut assiser. Mais la difficulté, qu'est-ce que tu veux faire? Où que tu veux faire? Où? Abruti, paniqué, bouleversé. Après, pleuré. Après l'élection, tu veux faire encore? Révolté. Là, le qui sort, je me révolte, tu vas révolter là. Ça tape la pour tout le monde. La même où tu vas révolter contre mon Dieu. Qui mission là avec mission que tu n'as même pas aujourd'hui. Ça, où tu vas dire. Mais la Bible dit à Pierre, tu peux dormir. Et un ange vient rentrer, réveille Pierre en frappant aux côtés. Voyez là. Pierre, lève-toi. Pierre, tu peux dormir. Et dire, lui dit Chantrate. Chantrate. Amen, amen, amen. Pour dire, ah, que peut-il être dans la difficulté de Chantrate? Oui. Parce qu'il y connaît. Dans sa difficulté-là, il n'a pas tout. Il n'a pas tout scellé là. Amen, amen, amen. Dieu vient envoyer un ange. Tu peux dormir. Ton ferme-moi, ton batte-moi, ton ferme-moi, qu'on me presse l'évangile, fait cause de la vérité. Père, dis à tout le monde, Jésus-Christ, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est le sauveur. Ton arrête-moi, ton batte-moi, cause de la vérité, cause de la justice, ton zèle-moi. Ok. Vous guettez depuis quand moi allez, vous faites tout ça pour nous. Vous guettez depuis quand tu peux aller, Satan. Galoupez. Galoupez, maman, pour dormir. Dieu. Dieu envoie un ange dans le prison. Si Pierre, tu peux dormir dans le sommeil, qui casse le sommeil, en train de disparaître, tu vas dire, mon rêve est pourquoi? Non, il t'applique à son côté. Et il est un ange de Dieu. La scène-là, cassée. Quand il y a prison, il est capable de tout, il peut ressusciter parce qu'il peut être fusillé. Comment un prisonnier peut sortir et aller? Prisonnier converti dans la prison en place. Rien verset suivant, vous trouvez. Qui fait? Dans la difficulté, il connaît un Dieu qui vous tient. C'est un qui appelle ça l'épreuve spirituelle. Ça, l'épreuve là, il vit un bénédiction. Peut-être que vous pouvez, ah Seigneur, ah oui, un an, Seigneur, ah oui, un an, mon ami qui était. Peut-être ça maintenant, tu peux. Tu peux quand même trouver un an avec vos physique. Mais vu pas cette circonstance, quand une gueule, une visite, un ange, il vit une visite lui. Veut dire, chaque circonstance difficile, un an, un bénédiction. Bénédiction qui peut atteindre nous. Pareil comme dans l'acte des apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Paul et Silas, au milieu de la nuit,
au milieu de difficultés, au milieu de problèmes, au milieu de cyclones, au milieu de tempêtes, au milieu de souffrances, qui ne peut faire? Peut louer et adorer mon Dieu. La Bible dit pendant qu'il peut louer et adorer, tout à coup, la Bible dit tout à coup, pas de météo qui dit et cyclone warning class 1 pour les moments. Après, classe 4 là, t'allais vous venir là. Non, pas de chénan, non, tout à coup, les temps là, tu es bon. Partout, tu es calme, partout, tu es tranquille, tout à coup. Parce qu'il fait une grande et des enfants, mon Dieu, de la prison. Parce qu'il fait une liée et une serviteur de Dieu. Dieu paraît tranquille. De toute difficulté, mon Dieu, paraît tranquille. Il n'est pas pour être tranquille, ça, mon Dieu. Quand il trouve une difficulté, il n'est pas pour être tranquille. N'est que longtemps, mon Dieu, il y a beaucoup, mon Dieu. Je t'y reste tranquille, je t'y tranquille, je pourrais être tranquille même. Fini même, allez même, dis mon lit, papa, guettez qui problème, il a lui, il a tcharao, il n'a pas attendu. Tellement Tcharao l'a fait même boussonner, même boussonner. Tout en l'île. Il n'a pas attendu, il n'est pas là. Il n'est pas capable ni agir, ni réagir. Mais on dit, moi, un bon Dieu. Quand les diables mettent la main au doigt, innocemment pété, donc bon Dieu n'a pas resté tranquille. Amen. Et pour faire tout pour une liberté. Amen. Et vous faites tout pour une chèque. Amen. C'est une difficulté. Et donc, quand nous guettons Paul et Silas dans la prison, au millier de problèmes, Pélou m'a adoré, la Bible dit tout à coup, prison fait trembler, qu'un tremblement d'terre. La pauvre prison tombait par lui-même, la scène cassée. Paul et Silas libérés. C'est ça qui est important dans la vie d'un chrétien. Supporte les difficultés. N'a pas sauvé durant la difficulté. Parce qu'il dit dans sa difficulté, sa difficile là, il y a une bénédiction déjà. Amen. Il y a une bénédiction déjà. C'est pour cela qu'il avait pu dire dans l'évangile de Matthieu 10, 22, il peut dire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu ne veux pas vous contenter comme dans Dieu ou dans mission, tu ne veux pas vous contenter. N'a pas à essayer pour faire du monde content ou pour plaire du monde ou pour déplaire à mon Dieu. Pas faire ça, il est là. Chaque difficulté de la vie, devient une bénédiction pour nous ça. Pareil comme la Bible pour nous dans la Genèse chapitre 22, le verset 1er, il vous dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, après ces événements, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il prend ton garçon unique qui te est là, un seul garçon qui te est là. Mais Paul Isaac, un seul garçon qui vient de la bénédiction, la promesse de Dieu. Prends ce garçon-là. Allez offrir-lui en sacrifice sur la montagne. Ça qui appelle difficulté. Ça. Abraham dit en difficulté, il n'y a pas de fuir. Il n'y a pas de cause négative. Il n'y a pas de cause mal. Mais Abraham, devant difficulté, les dix bouts devant difficulté, de faire face aux difficultés. Dans le bien ce matin. Il fait face aux difficultés. Seulement dans sa difficulté la même, qu'il la trouve la même, mon Dieu, comment finir. Dans sa difficulté quand il était là, il y a l'occasion, un ange de l'éternel apparu
à Abraham. Dis Abraham, Abraham, Dieu finit écoute toi, Dieu finit guette la foi, pas tous ces enfants-là, guette dans le buisson là-bas. Et un bélier, prends tuer ça. Offrir en sacrifice. Il fait face à Dieu. C'est là qu'il trouve la mémoire encore. Là, c'est là que tu m'as une promesse commence à jeter dans son la vie, une bénédiction. Pas fuir. Pas causer une difficulté au but de l'église. C'est un pli erreur capital un chrétien fait. Quand il passe dans une difficulté, il quitte l'église, il finit dans le mot. Vous connaissez ça, veut dire ça? Donne-nous un exemple. Fais pour moi dire demain ou dans le bateau. Quand vous allez dans le bateau ou dans un gros la roule peut lever. Vous faire. Beaucoup de monde disent, quitte ça la roule là, il existe dans la mer. Allez, allez. Dès que tu sautes d'un bateau de mots, tu disparais dans la roule là. Mais par contre, tu restes dans ce bateau là, la roule pour venir, il faut laisser ce bateau là là-haut. Parce que là, pour redescendre encore en bas. Quand la roule là, il baissait, le bateau il baissait. Tant que tu es dans le bateau, tu la vie est sauvée. La roule comme la roule faut, tant que tu es dans le bateau, tu es sauvé de parcours. Difficulté comme ma difficulté, tant que tu restes dans la main de Jésus-Christ. Et la solution pour te sortir. Et la solution pour te sortir. Et là, c'est mes outils. Et c'est un qui dit Abraham, quand Dieu fait mettre à l'épreuve, c'est un qui nous appelle supporter les difficultés que nous mettons, lui mène l'épreuve spirituelle. Comme ça, même qu'un chrétien va terminer, comme ça, même un chrétien est pour grandir dans son cœur. Mais c'est une difficulté qui est pour grandir. Qui est pour grandir, quand pour grandir, comment on connaît pour grandir. Qui fait nous grandir? Moi, aujourd'hui, nous-mêmes, quand nous étions, nous avons 30 ans, 35 ans avec le Seigneur. Mais qui fait nous grandir? Qui fait nous grandir? Qui? C'est quand nous passons pour Banle, c'est là que nous emprunte. C'est là que nous développer. C'est là que nous venons à du spirituel. Pourquoi pour venir? Tout le temps, je dire ça, pas que je 35 ans dans le Seigneur qui me finira dans le royaume de Dieu. Non, ça va compter l'expérience. Dans le service, pas compter pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mon 30 ans service, frère, je ne connais pas le royaume de Dieu, non. Si vous ne faites volonté de Dieu, vous rentrez dans le royaume de Dieu. Pas ton service dans le Seigneur, ça va compter sa grâce. Donc, comment le chrétien grandit? Comment l'église grandit? Comment? C'est qu'on passe dans la difficulté. Amen. C'est là qu'on tient l'exemple, qu'on servit par l'exemple. Vous pouvez faire ça, vous dites comme ça. Quand qui arrive, vous pouvez périr. Quand vous entendez, vous commencez à développer. Quand vous avez ce même problème, vous venez à ce terre, vous êtes capable de faire face à ce problème-là. Mais vous pensez ce matin, l'église? Amen. C'est une difficulté qui fait nous grandir. Celle que Dieu met nous à l'épreuve, met nous à l'épreuve, l'église qui nous fait. Pas comme Abraham, il passe par l'épreuve. Grand épreuve, il passe. Donc, c'est pour cela qu'il est important dans la vie des saints chrétiens, pour terminer, que la difficulté n'a pas fuir devant la difficulté. Apprendre à faire face. Tu apprends? Faire face. Apprendre à faire face à la difficulté. Quand nous guettons dans le livre, nous terminons Esaïe, le chapitre 1er et 2, il parle nous du roi Ézéchias. Écoute bien, nous terminons là. Ézéchias. Ézéchias était un roi, le roi d'Ézéchias. Écoute bien ce matin. Difficulté n'a pas qu'il est devant difficulté, n'a pas peur de difficulté. Où les enfants vont dire où? Si vous avez un bon Dieu ou qu'il est en difficulté, mais ça dit que qui est en Dieu, par contre, nous n'avons pas de bon Dieu là. Qui le fait? Vous trouvez comment il suicide dans Dieu? Amen. Qui fait?
Parce que peine à ça, c'est pas la peine à solution. Peine à s'y mettre sorti. Comme un foyer peut aller divorce. Parce que peine à ça, peine à ça, peine à ça, ça va bon Dieu qu'elle va aller divorce. Non. Attention, ça nous garde ou le manteau nous garde. Ça veut dire frère, priez pour moi frère. On a une affaire en cours. Magistrat pour rendre verdict pour divorce. Bon Dieu, prends-le pour magistrat pour aller dire prier pour vous. Ça, l'église, pas pour prier pour divorce. Ça, l'église, pas pour prier pour divorce. Ça, l'église, pour prier pour réconciliation. Frère, on connaît, ça n'a pas de chal dans moi, frère, mon quitté. Astère, mon atout, mon bonheur. Mais avant que tu ne trouves pas là. Astère, tout ton bonheur. La convoitise de l'œil, j'ai vu comme un caméléon, Master Sanal est plus bon, frère, mais ça beaucoup dans la prière, beaucoup, mon pile-toi dans la prière, soit tu vis pas grave, soit tu es délivré. Mais réveillez-toi, pas pour répondre. Il bon nous donner. Attends, quand vous êtes Dieu, pas content, moi j'ai dit, allez, t'as dit, vous pouvez aller. La vérité, c'est quoi la vérité? Pas venir prier pour divorce dans sa l'église là, ou prier ou même. Nous pas pour prier. N'a pas bien prié, frère. Aster mon Dieu, il nous veut m'obliger. Il ne montre pas mon vrai la moitié. Bon Dieu, ouais, on a la moitié premier vrai là. Ça n'a faux là. Ça. Mais j'ai pas pour un divorce dans sa l'église là, mon professeur. Et nom de Jésus-Christ et pas pour un remarié. Réré n'a pas venu de sa l'église. Tant bien, Vanzen. C'est un qui dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Contactez bon Dieu avant. Dis-moi, bon Dieu, si ça même volonté ça. Si pas volonté, bon Dieu, qu'il est papa. Vous connaissez, frère? Je suis bien content, il peut être bien capable, bien content. C'est bon Dieu, lui, papa est bien content ça parce qu'il connaît le divan de vous cogner. Les là, le divan de vous dire, aïe, et là, il n'y a pas de ça. Avant de tisser des vies, quand vous êtes là, sur la voix n'a pas attendu. Les là, qui vont trouver, guette ça. Mais tu crois, lui, Amitabh Bachchan, il allait faire l'inventaire, il vient s'actiquer pour moi. Mais c'est qu'il va s'actiquer pour moi. Ouh! Qui fait? Quand s'actiquer pour tu dis en haut, moi je trouve bon Dieu avant. Pas trop bon Dieu! Quand s'actiquer pour tu as griffe, et là, j'ai le frère, vous décidez. Vous décidez, vous voulez s'actiquer pour. Mais allez, les reines, prennent-tu au bois pour ta vie. Donc, pas fuir devant les difficultés. Les rois d'Ézéchias, la Bible dit à Dieu qui envoie les prophètes d'Ésaïe à dire au roi d'Ézéchias qui se joue fini compter les poumons. Prophète d'Ésaïe vient dire au roi d'Ézéchias, prends tout ce qui te est dans ta richesse, donne-le aux vains héritiers parce qu'ils te poumons. La Bible dit le roi d'Ézéchias quand il finit comme ça. Qui a des difficultés, il était là. Tu as difficulté? Non. Tu as difficulté ça? Non. Il y a la vie et. Non. Et ce n'est pas un esprit du mal qui peut venir prendre la vie. C'est Dieu lui-même pour prendre la vie là. La Bible dit le roi, pourtant elle est le roi. Pourtant elle est le roi. L'individu qui a une difficulté, il fait face à une difficulté. La Bible dit le roi d'Ézéchias tourna son visage contre le mur. Oh l'Éternel, souviens-toi de moi quand j'ai marché devant ta face avec l'intégrité et la fidélité du cœur. Je fais tout ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi l'Éternel. Dans la difficulté, il parle à la table, la peau, pourtant les rois. Il est capable d'appeler un magicien. Il est capable d'appeler quelqu'un qui guette les dents, qui guette la main. Il est capable d'appeler quelqu'un qui peut-être
capable de donner une idée qui vous fait. L'hypothèse frappe à la porte de personne. Dès que cette difficulté-là fait dire le sentiment, l'île tout l'île vient le mur. Veut dire, l'hypothèse tout l'île au divan auquel l'homme l'hypothèse tout l'île. L'île maîtrise tout seul peut-être dans son assemble. Tourna son visage contre le mur. Il adresse sur la prière de la supplication vers Dieu. Pas de vue. Il n'est pas dire, il dit ton bon Dieu, moi, il n'est pas capable de faire ceci, cela. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Amen. La Bible dit comme ça, Dieu envoie le prophète d'Ésaïe à nouveau pour dire le roi d'Ézéchias. Qui vous veut dire le roi là? Pour lui dire, j'ai entendu ta prière. Je vis tes larmes. Voici, j'ajoute 15 années encore pour te vivre. Amen. Peut-être dans un autre calme, peut-être dans deux ans, tu es calme. Gagne cette difficulté-là, vient une bénédiction. Il y a 15 bananes pour les vivre. Amen. Et comment ce matin, Élise? Cette difficulté, circonstance difficile qui nous traversait, derrière cette difficulté-là, derrière ça, la porte difficulté-là. Elle n'a pas de difficulté à venir ouvert, mais derrière ça n'a pas de difficulté là, elle a une grande bénédiction qui peut atteindre. Amen. Ça met dans la tête ça. Ça met ça dans la tête. Mettre ça dans la tête. Derrière ça n'a pas de là, elle a une bénédiction. Amen. Pas fur, à prendre support. Qui vient prendre? Supporter. Supporter. Jusqu'à ce que bon Dieu réponde à la prière. Toutes difficultés vont terminer. Trois qui sont toutes difficultés pour faire en toi. Trois qui sont toutes difficultés pour faire en toi. Toutes difficultés pour faire comme un homme ou une femme de prière. Amen. 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 Toutes difficultés pour faire ta coste plus en bon Dieu. Amen. Troisième qui sont. De difficulté pour le faire d'un coup la grandeur de ton bon Dieu. Ça n'a pas oublié ça. Jamais n'a pas oublié. Difficulté, moi je veux dire pour nous maintenant, difficulté, pour moi comme moi personnellement, à chaque fois je parle d'une grande difficulté, oui, il y en a pas trop pour le laisser. Mais après, Dieu, relève-moi, ressaisis-moi, relève-moi. Et là, vous trouvez la porte ouverte encore. Amen. Elle la porte ouverte. Pas qu'il est. À partir d'aujourd'hui, quand il ne passe pas de difficulté, dès qu'il saute, n'a pas fait de la vie aussi, les autres, n'a pas fait ça. N'a pas quitté l'église, n'a pas abandonné l'église, et n'a pas quitté mon Dieu. Amen. Parce qu'il a une grande récompense qu'il gardait pour un jour, quand il s'arrêtait là où on allait. Une récompense pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs. Parce qu'ils sauvaient. Parce qu'ils furent devant ses responsabilités. Mais c'est qu'ils mangent en le faisant. Amen. Et en cachant sa santé là, avec la joie. Ne crains pas la tempête, c'est tranquille, la paix viendra. Lève la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi, plein de toi, n'importe quel adversaire, ça c'est la crainte, il est vaincu, au nom puissant de Jésus, plein de puissance, nous sommes vainqueurs, au nom puissant de Jésus. Et ce matin, et chaque peuple de Dieu, il y a une peuple qui est béni en ce moment. Heights of love, what depths of peace, when fears are still.
like